Bonjour mes amis, c'est pour bon Dieu bénir nous toutes, c'est pour l'esprit bon Dieu vivant, vin pour couvrir la vie par nous, dans le moment ça, pour nous-mêmes, vin pour comprendre, pour comprendre en vrai sens tout ça qui bon Dieu dit sous parole. Parce que parole bon Dieu, c'est pas une religion. Parole bon Dieu, c'est pas une doctrine les hommes. Parole bon Dieu, c'est conseil bon Dieu papa pour toute petite li. Pour toute petite li. Ça veut dire que ce petit moment petit et un qui déjà tourné petite bon Dieu a pratiquer tout conseil bon Dieu, sans doute, moun sa yo va tourner une bénédiction parce que yo a mettre en pratique parole bon Dieu. Et pour bon Dieu te dit sur parole, il te dit qu'on sa tout pour parole qui sorti dans bouche moins, li pa tourner vin joindre moins sans li pa faire ça m'te vle le faire. Sans li pa faire tout ça moins te voyer le faire. Bon Dieu te dit sur tout bagage dans le livre Isaïe chapitre 55 verset 11. Mais pour toute petite bon Dieu vin pour obéir parole bon Dieu, pour suivre parole bon Dieu, li yo besoin sacrifier. Yo besoin sacrifier. Sacrifice m'a dit, c'est pas sacrifice bête, mais ça c'est là yo nier volonté pa yo pour faire volonté bon Dieu, pour obéir Paul bon Dieu. Moi je voulais enseigner nous qui ça veut dire la foi dans l'esprit, la foi intelligente. Imaginez gagner un coupe et tel coupe ça gourmet une clotte. Et un a dormi dans un chambre. Et l'autre là abdomine l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a pas gain la paix. Et pour qui ça il y a pas gain la paix? Il y a clotte parce que il te gomme une clotte. Il y a pas d'accord une clotte. À clotte là, comprenez ça? Et puisque il y a pas d'accord une clotte, il y a te décider marcher plus loin une clotte. Non, même je respecte bon Dieu. Si vous pas d'accord, bon Dieu, ou va marcher plus loin. E si vous marcher plus loin, bon Dieu, c'est totalement impossible pour gagner la paix. Non, même je, pendant un couple, pas commencer marcher d'accord une clotte, si vous pas vle sacrifier soit nier volonté pâle en faveur l'autre là, yo pas capable de gagner la paix. Yo na clotte. Ça c'est un bagage simple pour nous comprendre. Mais tem que haver sacrifício. Yo besoin sacrifier. Ça c'est un bagage individuel. Li pa dit l'en par exemple Esté avem n'a marché bien. Grâce à Dieu non a réagi nous. Mais a gente c'est pas parce que nous, bon Dieu, c'est pas parce que nos papes n'a quitté, n'a permis mariage, nous marcher dans toute façon. Non. Moins gain un goût, madame, moins gain un autre goût. Mais après nous t'es marié, nous t'es décidé nier d'être nous en faveur l'autre là. Ça veut dire que nous besoin faut nous sacrifier, faut nous nier tête nous-mêmes. Moi nier tête moi en faveur madame moi, li nier tête li en faveur pam. C'est peut-être ça qui moi gagne un bon mariage avec madame pam. Ça veut dire que moi nier volonté pam en faveur. Et dans même gens li fait respecter la vie pam. Comprendre ça et ce n'est pas moment où nous commencé à faire comme ça, on a marché dans la paix, dans le mariage. Il y a harmonie. Comprenez ça? Laissez ça, mes amis, tous les amis. Avec bon Dieu, c'est exactement comme ça. Ce n'est pas moment où vous faites une alliance avec bon Dieu, là où vous mariez avec bon Dieu vivant, vous délivrez tête honnête dans même pâle, là où vous rendez tête honnête dans même pâle. Et
o fé e um proposition sur l'autel bon Dieu vivant. E o di bon Dieu que o va servir, que o va aimer dans l'être bagaille, dans pratique, que o va obéir. Li evident que si o mette tout bagaille dans pratique, li evident que bon Dieu va accomplir tout ça qu'il était pour mettre sur parole li. Comprenne? David te dit, nan Somme 37, verset 4, si se nan Seigneur ou pren tout plaisir, la ba ou tout sa ou ta remè. Men, si ou pa fè bon Dieu plaisir, ki jan ou met vle genye la paix ak bon Dieu. Ou pa genye la paix avec li. Si ou pa genye la paix ak bon Dieu, avec bon Dieu, ou pa genye la paix ak personne, mes amis. Parce que si devant présence bon Dieu vivant, ou pa genye la paix devant présence li, ki jan ou va genye la paix ak l'homme. Ou soit avec madame, ou soit avec mari, pau. C'est pas possible. Laisse ça, mes amis, la paix. La paix nous voulons recevoir, exiger nous n'y était nous net. Regardez bien, pour nous comprendre ce que ça veut dire la foi intelligente. Nous te apprenons, faire une communion avec bon Dieu, ou soit communiquer avec bon Dieu. À travers les nappes coûtées par Wally et nappes mettées en pratique. Ce qui est normalement nappes coûtées par Wally, bon Dieu, nous nappes gagnent conscience sur tout ça que nous besoin faire et tout ça que nous besoin si c'est pas faire. Comprenez? Nappes gagnent conscience sur toute responsabilité nous gagner. Dans même genre, nappes gagnent connaissance que bon Dieu va accomplir par Wally. Lê sa, nou gen consciência sa, nou gen consciência sa, sou volonté bon Dieu vivant. Mais prêtez attention, que sa nou benzoin fè. Lê nap gen consciência sou tu sa que nou benzoin se span fè, se nap marché nan péché, lê sa, sou ti nan mamãe nap konem pa wol bon Dieu, nou decide converti. Nous décider changer chemin par nous. Par exemple, si nous tapons marcher dans la direction du nord, nous décider suspendre, virer d'eau, et nous décider marcher dans la direction sud. C'est ça qui voulait dire convertir. Ça voulait dire que vous avez changé direction chemin par nous. Comprenez? Ou ap marcher dans la direction toute exigence la chair Paul. Mais si nous avons un ap côté Paul, bon Dieu, ou va commencer à gagner la foi pour délivrer tête honnête dans mes bon Dieu vivant pour suivre dans la direction bon Dieu. C'est ça qui voulait dire conversion. Là où converti devant présence bon Dieu vivant. Si nous avons un ap repenti, nous avons converti devant présence bon Dieu vivant, à travers Saint-Esprit, abanou repentance. C'est bon Dieu qui réveillait nous pour nous repentir. Respecter toute la vie errée, nous te marcher. Par exemple, nous-mêmes qui déjà converti, nous te, bon Dieu te convainc, nous, Saint-Esprit te convainc, nous, surtout ça qui errait nous te faire, et nous te converti. Ça veut dire que ce qui n'est pas un gain bon et une bonne qualité de confiance dans bon Dieu, une bonne qualité de la foi, ou va écouter parole bon Dieu, dans la deuxième étape, ou va gagner conscience sur tout péché que tu as fait, troisième étape, ou repentir et à travers repentance, ou après recevoir pardon bon Dieu. Et ce qui n'est pas un gain repentir, mes amis, avec toute sincérité, Paul. Laisse ça ou après c'est voir pardon bon Dieu. Et si non ou après c'est voir pardon bon Dieu, ou va gagner la paix. Ou va gagner la paix nette. La paix bon Dieu. Nous te parlé hier. Surtout pas grâce à eux. Les fini, dans même Jean apôtre Paul, Saint-Esprit t'a utilisé apôtre Paul dans le livre Colossiens chapitre 3 puis verset 15, il te dit comme ça, c'est pour nous vivre bien une clotte. Jean-Christ là, vle là, parce que bon Dieu relè nous pour nous vivre bien une clotte, pour nous café un seul corps, toujours changer ça les fait pour nous. Ça veut dire que si nous marcherons, immédiatement conscience nous acquise nous.
Comprendre tout ça? Et on va perdre la paix. Pourquoi ça? Parce que conscience nous a démontré que gagner un bagaille que nous pouvons pas résoudre. Et si nous avons réalisé que gagner quelque bagaille, si nous avons bon comprendre, n'a pas genouillé devant la présence de mon Dieu vivant, n'a pas confessé tout péché par nous, il nous va décider de nier tête nous, sacrifier être nous, pour nous décider de suivre mon Dieu vivant. Prêtez attention, repentance, c'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment sur remords, par exemple. Repentance, ou a décider de quitter net tout péché, ou décider de laguer tout ça qui n'est pas correct. Comprendre, ça c'est un bagage qui, c'est ça qui fonctionne. C'est pas simplement un sentiment, une émotion, soit un remords, respect de ça qui est fait. Non, c'est pas comme ça. Mais ça c'est une attitude. Repentance, c'est une action, une attitude. Ça c'est une décision. Et sauter dans le moment où a prendre une décision, c'est parce que bon Dieu, à travers Saint-Esprit, te convainc ou il te réveille ou pour ou faire comme ça. Comprendre ça, mes amis. Là où fait comme ça, après on repentit, on va gagner la paix. Ça, c'est un bagage intéressant. Là, ça, mes amis. Évaluer tête où. Gardez bien que Jean quer ouiller. Consciência tu. E se ganhar, quer que bagaia andando que é o cap, aquiseu, comprando sua, quer que bagaia que pá da cor, bom dizer, se passa que ganha um bagaia, é, e se passa que o paguei lá pé. O benzoen converti, l'hotel, bom dizer, vivant, se cotê por decidir de livrer teto neto também, bom dizer, vivant. C'est côté qui ou ka vide tête honnête, tout l'idée pau, tout sentiment ou gagne dans le cœur, tout ça qui a vini dans l'avenir, décide vide tout bagasse ou dans le bon Dieu vivant, et il va recevoir Saint-Esprit, et il va recevoir la paix, il va recevoir baptême Saint-Esprit. Ça c'est direction là-bas. Ça c'est direction bon Dieu gain pour nous toutes. Et demain, nan dimanche, tout dimanche, nous gain service nan côté que n'a fixé attention nous pour nous recevoir baptême dans Saint-Esprit. Comprennent? Dans l'hôtel bon Dieu vivant. C'est pour bon Dieu bénir nous toutes et jusqu'à demain, au nom de Jésus. Amen.